tout le monde, nous comptons rentrer la rampe pour nous capables de voter pour la première sortie téléjournal pour semaine. Si là, d'ores et déjà, nous avons souhaité tout le monde passer une excellente semaine en compagnie de Télévision Nationale d'Haïti. Le principal point cap est le point essentiel le journal pour maintenir. Pour une fois qu'on a un président de la République, la Jovenel Moïse, inauguré vendredi 29 juin passé à une sorte formation professionnelle et technique dans Jacques Mel, dans le département sud-est, pays d'Haïti. Premier promotion élève greffier au gradué toujours dans la journée vendredi 29 juin dans l'école magistratia. Cérémonie graduation ça a déroulé en présence membres conseil supérieur pouvoir judiciaire. Marc Bélin de Jacquet, tout le monde connaît sous nom Choupit, ancien gros musicien groupe DP Express, mourit dimanche 1er juillet après l'étape souffrir avec une maladie. Comme pour savoir qu'un pilote a bien fait ceci, le journal là pour jeudi lundi 2 juillet, n'a pas vite rester branché, n'a pas tourné dans quelques secondes, n'a pas déplacé. Merci parce que toujours été bien chez Télévision Nationale d'Haïti, n'a pas souhaité tout le monde bienvenu dans le journal là. Jacques Ndé a annoncé les différents titres qui ont démarré avec formation pour nous faire connaître le président de la République, la Jovenel Moïse, inauguré vendredi 29 juin passé à une formation professionnelle et technique dans le département sud-est pays d'Haïti. Cette sage de financement Banque Caribéenne Développement pour une valeur 6 millions de dollars dans le cadre d'un accord partenariat avec l'Institut National Professionnel INFP. Sabine Jean-Étienne avec Jean-Noël Duvernay était sur place et a présenté un reportage. Monsieur après Trou du Nord, Ville Jacmel, c'est deuxième côté, président républicain Jovenel Moïse, inauguré un centre formation professionnelle moderne. L'école professionnelle s'est trouvée dans la localité Boisbeuf, côté environ 1000 jeunes filles et jeunes garçons, a bien chance d'apprendre 30 qualités métiers dans 7 filières, tant que textile, hôtellerie, technologie, information et communication, mécanique auto, construction mécanique et puis construction civile. Inauguration ça, c'est un bel exemple qui doit faire tout le monde réfléchir sur le coût de meilleur travail, à bulletin vote pour faire pays avancer tout bon sur le progrès et le développement. C'est un exemple qui montre à clair qui j'en chaque jour, président Jovenel Moïse, avec toute administration là, à travail pour retirer les haïtiens dans le fait noir, à l'ignorance, dans le chômage, à la misère. Éducation, c'est une priorité administration Moïse Lafontaine. Plusieurs autres écoles professionnelles comme ça pour continuer l'ouvrir dans l'autre département en d'un pays. Et en façon, d'après chef l'État, pour permettre jeunes gain connaissance avec bon papier dans main pour faciliter aux jeunes travail dans divers domaines. Notre réussite est liée à notre capacité d'entretenir, d'offrir à notre jeunesse des opportunités qui nécessitent à rester attaché à sa terre natale et à se doter de métiers qui l'habilitent à participer activement de l'effort national pour une Haïti forte, attractive et généreuse pour tous ses filles et fils. C'est donc à cette tâche que nous nous appelons quotidiennement en vue d'offrir aux peuples haïtiens la possibilité d'améliorer ses conditions d'existence. Et c'est dans ce même dessin que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui le centre professionnel de Jacmel. Bâtiment ça a gagné la donne, une partie administrative et puis 7 salles d'apprentissage qui tout équipé avec matériel qui a aidé étudiants à faire pratique pendant la formation. Cette formation professionnelle et technique Jacmel là, joint financement Banque Interaméricaine de Développement et puis Banque Caraïbienne de Développement pour environ 6 millions de dollars qui impliquait construction bâtiment, achat équipement travail étudiant. Merci à la collaboratrice Sabine Jean-Étienne qui t'a présenté nos reportages. Si là, on a arrêté avec information pour nous faire connaître, je viens d'annoncer Elena Santitio. Premier promotion élève, greffier gradué, toujours dans la journée vendredi 29 juin passé dans l'école magistrature. La cérémonie de graduation, ça a déroulé en présence de mon conseil supérieur pouvoir judiciaire, Daline Dorival à Kevin Joseph. Était sous place, Abdino Plus. 40 élèves greffiers, c'est quantité jeunes femmes et jeunes garçons qui fait partie des premières promotions élèves greffiers qui gradient dans l'école magistratia. Cérémonie sa fête en présence divers formateurs, parents, amis et familles gradiés. Dans l'occasion, parraine promotion, M. Jean-Miguelite Maxime,
Dili fier pour choix sa promotion sa fait délit pendant li fait quoi grâce à formation yo recevoir élève greffier sa yo pral travail pour rendre système judiciaire plus efficace. Yo recevront très bonne formation, yo formé par des moun qui gen expérience, yo formé par des magistrats de carrière. Moi crois que sur le plan théorique yo gen bagage pour de bon greffier. Maintenant, ça qui est important, c'est pas formation que yo ba yo, c'est volonté que y a gagné parce que diplôme n'a pas veut dire rien. Si vous pas voulez appliquer ce qu'on est, si vous voulez appliquer, si vous voulez appliquer, laissez-nous une situation idéale, n'a bien de bons greffiers pour une bonne justice. Directeur général AI l'école magistratia, M. Christian Michel Termezi, expliquez comment le système judiciaire pays a besoin non seulement de cadres qui compétents, mais tout qui pas de corruption. Ce sont des hommes formés et disposés à faire progresser la justice et disposer à contribuer à la démocratie en Haïti, parce que quand le veut ou non, quand il y a fait état de la corruption, c'est certain qu'il y a des greffiers, tout comme il y a des juges qui sont impliqués dans la corruption. Et nous sommes certains, et tout 40 greffiers, nous avons yeux braqués, nous avons yeux braqués sur eux pour nous suivre dans ce système là. Il n'y a pas engagé pour respecter, parce que nous avons éthique, déontologie, protocole. Et nous dit toutes ces licenciés en droit qu'on a qui qu'on a couru pour trouver un magistrat, tout le monde n'a pas l'État 3 ans de service à plein. Parce que c'est ça le métier. Il y a le métier de greffier, il y a le métier de magistrat, il n'y a pas capable d'avoir accès comme magistrat. Lauréat promotion, lui John Vilvadi, il a continué de travailler avec Ed et Neo pour changer tout bon vrai système judiciaire. Nous connaissons que y a pile difficulté, capitaine. Nous connaissons que y a pile et problèmes qui sous chemin de la justice. Mais nous-mêmes, en tant que greffier professionnel, tout ça, nous appelons à collaborer avec nos tuteurs, avec nos aînés pour une bonne distribution de la justice saine, impartiale et équitable. Graduation première promotion 40. Élèves greffiers yo rentrer dans 4 efforts autorité yo à entreprendre pour permettre population en joindre justice comme ça doit. Merci Daline Dorival. L'autre information toujours dans ça qui concerne les dossiers justiciers. Pour une fois qu'on a l'Association nationale magistrat ici au Anamak, le tiré 2e journée congrès nationaliste sous thème commissaire gouvernement, défenseur société ou bien bras repressif pouvoir politique, proposition pour réformer paquet. Pendant clôture journée ici là, congrès a élu un nouveau comité directoire qui vient comme président juge Wilner Morin qui remplace le poste là juge Durin Junior. Juge Wilner Morin qui était candidat unique pour poste ça remporté l'élection à 540 votes. Nouveau président Anama, juge Wilner Morin promet pendant mandat ça il prend le travail à créer ce comité à sous formation réajustement salaire magistrat et puis acquisition mandat pour commissaire gouvernement pendant les 10 les compter sous collaboration toutes collègues. N'a pas vite suivre un milieu extrait de micro parlant d'affaires avec Moïse Ulbrich. Anama son syndicat, premier bagage il a pour faire c'est défendre l'intérêt magistral. Premier bagage que nous allons faire qu'on y a là, nous allons demander audience dans CSPJ parce que le commissaire gouvernement yo, qui n'a jamais joué arriéré de salaire. Yo. Donc nous avons bataille pour que le commissaire gouvernement yo joué arriéré de salaire. Yo. Deuxièmement, le budget qui est déposé. Donc on est salaire que magistrat gagne, hein, salaire ça, puis son salaire de misère. Donc voilà, côté CSPJ, pour nous discuter pour que CSPJ capte gagne un plus gros part dans le budget, de manière pour que magistrat capable gagner un meilleur traitement. Réforme dans le système judiciaire, il dépend d'abord de CSPJ, il dépend ensuite du Parlement, il dépend tout de l'exécutif là, parce que c'est eux qui gagnent l'attitude pour faire loi. Cependant, nous-mêmes, Nanama, nous avons proposé tout parce que le système n'est pas bon et nous avons le travail pour que les propositions nous passent. L'autre information dans le journal là, nous prenons ça pour avec le secteur culturel là, puisque on deuil pour une fois qu'on est marqué Belin de Jacquet, tout le monde connaît sous nos choupites mourir hier dimanche 1er juillet, dans matin après l'étape souffrir avec une maladie et puis problème cardiaque depuis plusieurs années. Choupite a évolué dans divers groupes musicaux parmi ODB Express, Gamma Express, Zinglin ou bien Musique Musique. D'après un ancien collaborateur de Feyon,
Yvon Jérôme fait qu'il explique que c'est grâce à que dévouement Chupit qui fait perquisition et arrivé près un autre niveau dans le compas direct là. C'est dans les 70 publicataires après les commencer à découvrir qui est ce Marc Belland Jacqueline Meunier que tout le monde connaît sous nom Chupit Jacqueline. C'est ça, la télévision nationale d'Haïti a peuvent voir et c'est parti les bailleurs, famille, avec les amis et puis collaborateurs, anciens chanteurs ou encore anciens perquisitionniste Chupit Jacquet qui lui-même a évolué dans le groupe DP Express. L'autre information dans le journal la partie politique rassemblée pour sauver la caille parasol est prononcée le vendredi 29 juin sous ses interpellations. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui part arriver continue dans le Parlement par président parasol là, Yvon Bonhomme souhaité chaque acteur concerné travail dans l'intérêt peuple haïtien. Plus de détails dans une commune de la Milia, Saint-Kémoïse-Ulbrich. Parti politique parasol dit les bonnes notes. Et ouais, comment c'est ça a fini. Mais quand même, c'est de bonne guerre au niveau de la Chambre des députés. Et c'est ça qui est bon pour l'exercice démocratique. Parti politique parasol a demandé au Cour supérieur des comptes pour jouer rôle comme un véritable tribunal administratif. C'est ça que nous besoin. Nous-mêmes, comme nationalistes responsables, nous disons population haïtienne, non. Oui, j'ai. Et politique doit faire. On l'autre gens. Et démocratie que nous disons n'a pas appliqué. Hein? Et bien, c'est la majorité, c'est la dictature de la majorité. Jean Deville, le premier ministre, il est confortable, il a une majorité confortable. Quel que soit l'heure, il fait séance là, libre aller et victoire là pour le peuple là parce qu'il a toujours tranché en faveur du développement, en faveur de la stabilité politique. L'autre information, secrétaire d'État américain Michael Pompeo et conseiller président américain Ivanka Trump communiqué la date jeudi 28 juin passé à rapport 2018 sous trafic moon dans Washington. Secrétaire Pompeo fait connaître rapport sous trafic moon en ça attire attention sous travail communauté locale là yo mené pour arrêter trafiquant et bailler victime assistance. N'importe prince ambassadeur États-Unis en Haïti à Michel sont déclarés pays là on continue de travailler avec Haïti pendant pays à sous point à continuer de travailler avec Haïti pendant pays à sous point pour finaliser plan action nationale contre trafic moun. Adoption plan ça qui m'a connu avec renforcement capacité pouvoir judiciaire pour le poursuivre trafic yon, et puis représenter une étape essentielle pour progresser dans l'objectif qui visait mettre bout notre trafic moun monde là. Plateforme organisation haïtien droit moun POHDH plaidé vendredi 29 juin passé pour droit timoun respecté dans société a dans cadre série conférence débat plateforme là qui pote nos vendredi plateforme d'après secrétaire exécutif POHDH Arlermi Pierre Vilus timoun yo besoin plus encadrement ak accompagnement accès et puis service de base yo pendant les profiter mandé autorité qui concerné yo travail sous ensemble noir à permettre droit timoun respecté. Et n'a pas vite suivre. Droit simonio c'est une catégorie dans droit monio et c'est un droit fondamental et nous fait conférence ça parce que nous constater et depuis un certain temps situation droit simonio la est de plus en plus difficile ou gagner et timon dans la rue cap augmenter et y a vivre dans des situations difficiles. Yo même et embrigadé yo pour des actions et des bandits ou gagné et pour ensemble de petits moun dans pays surtout dans zone qui n'ont pas accès à services sociaux de base yo. N'a parlé des questions de la santé, n'a parlé de l'éducation. Et c'est là tout, j'en ai dans la caba pour matin lundi, mais juste avant nous aller dans peur, rappelons un point qui n'est pas essentiel pour jeudi, pour une fois qu'on est président de la République, la Jovenel Moïse, inauguré vendredi 29 juin passé à un centre formation professionnelle et technique dans Jacques Mel, dans le département sud-est, pays d'Haïti. Premier promotion élève greffier yo gradué vendredi 29 juin à l'école magistrature là c'est bon une graduation ça a déroulé en présence de membres conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ.
Marc Belin de Jacquet, tout le monde connaît sous nom Choupit Jacquet, ancien gros musicien groupe DP Express là, mouri dimanche 1er juillet 2018 là, après il a souffert avec une maladie. Voilà, c'est ensemble pour savoir que pilote qui fait essentiel le journal là pour jeudi lundi 2 juillet. N'a pas souhaité tout le monde passer une excellente journée, mais surtout très bonne semaine sur la 8.